Salut tout le monde, bienvenue dans Guitare Extreme TV, Michel Benjeloun à votre service. Aujourd'hui, on va voir le riff et une partie du solo d'un titre de Gael Boswell qui s'appelle 25 Hours. Commençons par le riff. En sol, on va beaucoup utiliser le pouce pour choper la basse. C'est vraiment un truc basé sur la pentamineur mineure de sol. Et on a ça. Jusque-là, rien de très compliqué, si ce n'est si vous n'êtes pas habitué à jouer avec le pouce sur les basses, mais c'est un coup à prendre. Il y a une pulse plutôt ternaire dans ce morceau. Donc voilà. On va toujours laisser sonner la basse derrière, on va éviter. Voilà, ça va sonner tout petit sinon. Donc, on a ça. On va juste choper en fait le sol aigu ici. Avec un bend d'un demi-ton. La deuxième partie commence pareil. Là, on enchaîne deux accords. Dans un premier temps, on va les faire en power chord. Donc, si bémol, do. Voilà. Et en fait, on va renverser un petit peu les positions d'accords pour le si bémol et le do au fur et à mesure du morceau. En fait, moi, je le fais un petit peu au feeling. Donc on peut aussi donc renverser les accords par la tierce. Voilà. Si bémol do, donc si bémol avec une basse de ré, do avec une basse de mi. On peut également le prendre ici. Donc c'est l'équivalent des accords en barré, mais pour garder un petit peu la même ergonomie, j'ai tendance à voilà, prendre la basse avec le pouce, la quinte et l'octave avec l'annulaire majeur, et je barre pour la quinte et la tonique avec l'index. Donc je vais faire les trois variantes. Voilà, maintenant on va passer au solo qu'on va voir en deux parties. Donc la première partie du solo, il faut savoir qu'il y a une modulation pendant le solo. On va se retrouver en ré. Fa. Pour revenir en sol. Donc à ce moment-là, moi, je vais jouer directement en pentamineur mineur de ré avec un plan très classique. Donc, ici, donc le bend sur l'accord de sol à la 12e case. Et on enchaîne directement donc avec ce petit barré, en fait, ici. Voilà, dans l'esprit un petit peu Chuck Berry, si on veut. Donc, triolet direct. Voilà, on finit sur un bend qui part ici, donc de la corde de si à la 13e case. On va faire vibrer en haut. Et on va redescendre la penta. On a le passage d'accord sur le Fa. Donc là, je vais jouer en termes de position. On a l'impression que je joue toujours pentamineur mineur de Ré, mais en fait, je suis en relative majeure du coup sur le Fa. Donc Fa majeur pentatonique.
Et donc là, je vais jouer en gardant le barré ici pour garder toujours en fait la sonorité de la triade de fa. Donc pour l'articulation, on va bien garder en fait les doubles notes à chaque fois. Donc ici, je décale un petit peu. La même chose en décalant sur les cordes plus hautes. Et pour le troisième pattern, là je fais une double note. Voilà, ici avec donc le sol à la 12e case et donc le si à la 11e case. Voilà, on est toujours un peu dans ce feeling très pentatonique. À partir de là, en fait, je vais faire une descente et montée chromatique pour amener jusqu'au passage en sol. Donc ici, je descends à partir, donc voilà, je fais la 13e case sur la corde de si. Donc je descends, voilà, case par case. Et là, du coup, la note suivante, je la prends avec le bend sur la corde de sol. Et je remonte. Voilà, je fais le bend en deux fois pour avoir le chromatisme total. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Guitar Extreme TV. Et ben, je vous dis à très vite. Ciao!